Chine ancienne, autrefois, vivait Lien Chi. Lien Chi était un brigand très expérimenté, un vrai professionnel du brigandage. Et Lien Chi avait une habitude. Chaque soir, il venait à la taverne du port, il s'attablait, commandait un verre et laissait traîner ses oreilles. Il faut dire que quand on est brigand, c'est très pratique d'avoir l'oreille fine. Et ce soir-là, Lien Chi était en train de boire son saké à la taverne du port quand il a entendu une conversation à la table d'à côté. Une conversation entre des marins de tous les âges. Et le ton montait de plus en plus, et le plus vieux d'entre eux, le plus vieux marin, a fini par se lever, a frappé du poing sur la table, et a dit « Je vous dis que je sais ce que je dis. Les nakanoï existent. Je les ai vus de mes yeux vus. » Et les autres marins le charriaient. « Allez, tu sais même plus ce que tu racontes. Et c'est même plus de la cervelle que t'as dans le crâne, c'est de la bouillie de riz fermentée. Allez, assieds-toi. Mais je vous dis que je sais ce que j'ai vu. Je les ai vus de mes yeux vus. Ils vivent sur une île connue de moi seul. Je vous dis que je les ai vus. Mais c'est ça, les n'a qu'un œil, ceux des légendes qui n'ont qu'un seul œil au milieu du front, au lieu de deux yeux au milieu du visage. Allez, assieds-toi. » Et le vieux briscard a fini par se rasseoir en bougonnant. Mais Lien Chi s'est dit, si jamais vraiment les n'a qu'un œil existaient, si je pouvais aller sur cette île là-bas, en attraper un, l'enfermer dans une cage, je pourrais le montrer à la foire. Et les gens de la ville seraient prêts à payer cher pour voir cet homme étrange qui n'a qu'un seul œil au milieu du front, au lieu de deux yeux au milieu du visage. Je pourrais m'enrichir. Ah, Lien Chi faisait déjà ses calculs, ses prévisions. Et puis, quand il a vu que la conversation se terminait et que les marins commençaient à quitter la taverne, Lien Chi s'est précipité, il a retenu le plus vieux d'entre eux et a dit, laisse-les partir. Moi, je sais. Moi, je te crois. Viens, assieds-toi. Ils ne te croient pas, eux. Mais moi, je veux savoir. Où est-ce qu'elle est, cette île? Tiens, si je te montre une carte marine, est-ce que tu pourrais m'indiquer? Et le vieux briscard répond, bah, bien sûr. C'est gravé dans le marbre, là-dedans. Et le vieux marin mesure, calcule, évalue, suppute, et finit par planter son doigt en plein milieu de l'océan. Lien Chi fait une croix. Il paye un dernier verre au vieux briscard, et puis il remballe sa carte. Le lendemain matin, Lien Chi va au marché. Là, il achète des provisions pour un long voyage, il achète une grande cage, et il revient au port, avec sa cage, ses grandes provisions, et même un gourdin en plus, et il loue un bateau. Et enfin, il prend la mer. Et il navigue pendant des jours, des semaines. Plus d'un mois, il navigue. Quand enfin, l'île est en vue. Alors il accoste son bateau. Il place la cage juste derrière la porte. Le gourdin à portée de main. Il quitte le bateau et monte sur une butte herbeuse. Là, il reste caché derrière les herbes hautes et il voit quelqu'un assis de dos qui prépare son repas. Lien Chi siffle, l'autre se retourne et Lien Chi voit qu'il n'a qu'un seul œil au milieu du front au lieu de deux yeux au milieu du visage. Il sent tout l'argent qu'il va pouvoir gagner en l'enfermant dans une cage et en le montrant à la foire. Alors il laisse passer un petit peu de temps, l'autre se remet à sa cuisine, et Lien Chi finit par se lever, il s'approche, salue le n'a qu'un œil, le n'a qu'un œil le regarde d'un œil très intéressé, et Lien Chi lui dit qu'il est un voyageur de passage, qu'il vient rencontrer la population locale pour faire connaissance. Le n'a qu'un œil l'invite à s'asseoir et à partager son repas. Ils mangent bien tous les deux. Et à la fin, Lien Chi dit, écoute, tu m'as généreusement invité, j'aimerais t'inviter sur mon bateau. Tu m'as offert la moitié de ton repas, je voudrais te faire visiter mon bateau. Est-ce que tu viens?
Le n'a qu'un œil dit d'accord, il se lève, il commence à suivre Lien Chi, et puis il dit « Attends, on ne passe pas loin de ma maison, mais il faut que j'aille prévenir mes frères parce que sinon ils vont s'inquiéter. J'avais rendez-vous avec eux, tu m'accompagnes et après je te suis sur ton bateau. » Lien Chi suit le n'a qu'un œil jusqu'à la maison, ils entrent tous les deux, le n'a qu'un œil ferme la porte, appelle ses frères. 5 n'a qu'un œil arrivent, tous saluent Lien Chi. Et sur un signe de l'aîné, ils se jettent tous sur lui. Ils l'attrapent, ils l'assomment, ils le mettent dans une grande cage. Parce que 3 jours plus tard, sur l'île des n'a qu'un œil, il y avait justement une grande foire. Et à la foire, cette famille de n'a qu'un œil a pu montrer Lien Chi à toute la population. Et toute la population de l'île était prête à payer cher pour voir cet homme étrange qui avait 2 yeux au milieu du visage, au lieu d'un seul œil au milieu du front. Grâce à Lien Chi, ils se sont bien enrichis. Si vous voulez tester votre intelligence, cliquez sur la vidéo d'après.